Bonjour tout le monde, c'est aujourd'hui on se retrouve donc pour la suite de Run Simulator. Alors si je dis pas de bêtises, le jour où vous voyez cette vidéo, la 1.0 est sortie. Il y a une grosse mise à jour, une réorganisation des fichiers récemment. Et donc on va voir si ça a changé quelque chose. Alors déjà, le porcelain est toujours dans le bidou, hein. Donc ça change pas, on va nettoyer un petit peu. Alors lui il est bloqué, fais voir. Non c'est bon, t'as pas faim, t'as pas soif. J'ai fait pas mal de choses. 8 sur 21, 19. Regardez tout ce bois que j'ai entreposé. Il y a 106 planches qu'on va pouvoir mettre sur les tables. La serre, pardon. Il y a aussi... Il n'y a pas de teuf, non. Il n'y a pas d'œuf. Il y a aussi le miel qui est prêt, mais j'ai vu. Alors, parce que moi je suis un peu nunuche. Dans le glossaire, les abeilles. Qu'il faut placer un tonneau dans lequel ce dernier pourrait être vendu après. Du coup, on va prendre la voiture. Hop. D'ailleurs, je vais regarder. On va recharger au cas où qu'on trouve un animal. Et on va se diriger vers le General Store. Alors, on se gare. Tac, tac, tac. Voilà. Et donc, on va acheter ce tonneau. Alors, coûte combien ce tonneau? Alors, c'est quoi comme tonneau? Tonneau, ça? 18 dollars? Je vais en prendre plusieurs parce que je crains le pire. Vas-y. Elles sont tout petits, hein? On va essayer de ranger ça bien. J'ai de la viande dedans ou pas? Je sais même plus. 3 viandes de JV, ok. On n'a pas dans le coin? Non. Hop. Et on va revenir. Retourner au ranch plutôt. On est de retour au nom. Au ranch, pardon. Et on m'a donné un nom. Que j'aime beaucoup, c'est Chipotty, parce qu'on va faire plein de chipolata, et puis en référence à une chanson que je ne chanterai pas. Et hop, du coup ce sera le rang de Chipotty accepté. Hop, j'ai pas vu de cerf, tiens, elle allait comme au retour. Hop, alors 7,5 litres de miel. Enfin, je peux mettre 7,5 litres, mais... Oh, tiens, j'ai un œuf. Donc, ça se place ici. Ok. Alors, j'ai vu un œuf. Alors, attendez, on va prendre le truc. Tac. Alors, je sais pas quoi en faire des œufs pour le moment. Je vais les garder. Je sais pas si j'ai une tête de péremption. Et puis, on fera les... Oh, mon Dieu, mais elle est monstrueuse, quoi. Là 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 là, il y aura combien de bébés là-dedans? Oh, je sais pas. Et donc, on va aller récupérer les abeilles. Alors, ce qui est chiant, c'est qu'on doit l'allumer avant de le prendre. Vous allez voir, elles sont à 100%. Donc j'espère que je vais pas détruire la colonie. Ah bah. Ah si, 100%, j'ai eu peur. Voilà. Et on va placer ça ici. Ok. Bon, on va attendre, mais ça veut dire qu'il n'y a plus d'abeilles là?
s'il n'y a plus d'abeilles, c'est pas top. C'est vraiment pas top. Litres de miel. Ok, donc on perd pas les abeilles, mais c'est un peu bizarre de mettre les abeilles directement là-dedans. Ok, donc il faudrait qu'on trouve plusieurs ruches. Et là, ça va être galère. Parce que c'était vraiment sur un coup de poil. Alors, ce qu'on va faire, c'est que dans le van, enfin dans la voiture, on va toujours garder une. On va toujours garder nos petits outils là. Voilà, on ferme ça. On va mettre ça sur le côté. Genre là, on va l'éteindre. Voilà, on va récupérer ça. Alors je sais pas comment marchera la reproduction d'abeilles. Et on va le mettre au fond. Alors honnêtement, je m'attendais à mieux niveau miel. Alors ce qu'on va faire, c'est que... Bah déjà, on va voir le prix. Peut-être que le prix peut être intéressant. On vend ça où? Je sais pas où on vend. On va aller voir au Burger, au General Store. On va aller voir partout. Mais avant ça... On va mettre toutes les planches que j'ai faites sur les tables. Allez, let's go. Alors, déjà on va commencer sur les tables. À chaque fois je me trompe, c'est la serre. Hop. Alors il va falloir qu'on trouve du verre aussi. Qu'on en produise ou qu'on en achète. Honnêtement, je ne sais pas en produire pour l'instant. On va regarder le glossaire. Alors, niveau bois, je pense qu'on est large, qu'on est bon. J'adore ce jeu. Peut-être reprendre aussi la grange, la bleue blanche là. La mettre rouge, je sais pas. What? 4 bébés. What? Non, 5. Oh la vache. Ah ouais. Ah ouais. Ah bah vous travaillez, mes mères. Ah ouais, 5 bébés. Oh la vache. Je vais leur donner un sac de blé. Je sais pas, waouh, 5 bébés. Oh lui. T'as bien travaillé. T'auras une pomme. Oh là là là. Pour la porte, je peux pas insérer. Tant que j'ai pas fini.
D'accord, il faut vraiment que je fasse les murs avant tout. 5 BP, j'hallucine. Ah bah, il y en a où, la saucisse, là, boudou. Alors, niveau vert, il me faudrait combien? 2. Attends. 1. 2, 3. 4, 5. 6, 7. 8, 9. 10, 11. 12, 13. 14. 15, 16. 17, 18, 19, 20, 20, 21 à peu près. On va aller se coucher. On va aller se coucher, 20h. Allez, on se réveille. Hop, hop, hop. Oh là là. 1, 2. 3, 4. Il en manque un. Il en manque un. 1. Non, c'est bon. J'ai eu peur. Alors. Il y a des œufs ou pas? Non, on va nettoyer par contre. Tout ça. Alors, on va regarder glossaire, on va regarder comment on fait du verre. Jardinage et serre, non. Bah, y a pas. Donc, on va chercher tout seul. On va chercher tout seul. Et où ma voiture? Elle est là-bas. On va aller à la quincaillerie pour voir s'il y a du verre et le prix du verre. Alors on arrive à la quincaillerie, on va regarder s'il n'y a pas un ours qui traîne ou même deux. Non, je n'ai pas l'impression. Alors le verre, combien ça coûte et est-ce qu'on en trouve ici? Alors, verf. Oh, c'est pas cher. Je vais en prendre 2. Ok. Va falloir vraiment que je me fasse de l'argent. Oh, on peut le mettre par-dessus. Y'a toujours pas d'ours. Alors, nous revoilà à Orange. Je n'ai croisé encore aucun cerf. Je vais pas vous cacher que ça m'inquiète fortement de ne pas en voir. Alors, le vert. Attends, le planchon gauche est fini. Ah non, c'était pour lui que c'est pas mis. Ok. Donc, on a notre petite cerf qui apparaît. C'est tout beau. Voilà. C'était bien 21. Hop. On va laisser ça là. On va vite fait voir à combien de pourcentage est la ruche. 33. Regarder si les cocottes avaient de quoi manger et boire, ok. Pareil pour les cochons. 18, 13. Ça va les bébés? Ils ont l'air d'aller bien. Ok. On va continuer à la serre. J'espère que j'ai assez de bois en fait, je suis en train de me dire. Que j'ai pas pressé le boulot. Hop, la petite porte. Est-ce que je mettrai pas le cerf aussi? Le verre en haut. Voilà.
Je sais pas si... Oh là là, je vais devoir en acheter. J'ai pas beaucoup d'argent. Oh là là. Mais je vais avoir assez de bois aussi ou pas? Attends, je vais poser des questions là. Oui, j'en ai fait assez quand même. C'est que ça part vite. Hein. Ah, j'ai un doute. J'ai un gros doute. 6. Pas voir assez de bois, c'est une blague. Et vous sortez pas là, vous arrêtez de vous monter dessus. Hein. C'est pour boire, c'est pas pour faire d'escalade. Donc là, on est bon. Il manque 2, 4. Il manque 1 verre, 2 verres, 4 verres. Ça choque en plus à l'intérieur. Va avoir le. Ok, c'est bon, j'ai tout mis, il manque juste le verre. Va avoir les crops. Donc, va falloir hop. Oh là là. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Alors lui c'est le mâle et elle c'est la femelle. Donc je vais aller. Ouais. Vous savez quoi? Déjà il y a un truc qui m'inquiète, c'est que j'ai vraiment vu aucun cerf depuis tout à l'heure, depuis le début. Donc j'ai combien d'argent là? J'en ai 246. C'est pas énorme. Je vais aller acheter le verre qui manque en espérant croiser du cerf. Bon, j'ai croisé 2 cerfs. On va vendre la viande, ça fera toujours ça. Comme ça, on va voir le prix du miel, si c'est là que ça se vend. On va voir ça. Miel x 14. Oh, c'est tout. Oh là là. Bon, moi, ça va me payer mon verre, quoi. Il n'y a pas un ours dans le coin là. D'ailleurs, hop, chose importante, toujours recharger. J'ai cru que j'avais vu un ours. Toujours recharger son fusil. Et on prend du verre. On va juste prendre un paquet, ça suffira. Ah, j'oublie à chaque fois de payer. Voilà. Et bah du coup, retour au ranch. Pour finir, la serre. Alors, nos ranch, nos cochons vont bien. Je pense. Attendez, j'en vois qu'un, ça m'inquiète. 1, 2, 3, 4, 5, parfait. Alors.
Ok, on a une belle serre, pardon. Est-ce que je mets... Il y a un escalier à mettre. Tac, tac, tac. Escalier en fondation de bois. Je vais voir. Ah ouais, ok, bon, vas-y, on va mettre un escalier. On va en mettre un de l'autre côté aussi. Quoi? Tu veux que je l'ouvre avant? Est-ce que je me suis trompé de sens? Ah, je pense. Fais voir. Ah bah non, je me suis pas trompé de sens, c'est comme ça. Bon, elle restera fermée. On va aller chercher nos planches, on va aller faire cet escalier. Il en faut que 5, je crois. Voilà, parfait. Je vais nettoyer leur enclos. Non? Ouais, ouais, fais gaffe toi. Je te surveille. Ça va les cochonous? Ok, ils ont pas faim, ils ont pas soif. Ça, c'est le mal. T'es pas enceinte, toi? Si, elle est enceinte. Ok, vous savez quoi? J'ai envie de tester. Je vais tuer le mal. Alors. Oula. Bien là, mon gros. Ça marche, bordel. D'accord. N'ayez pas peur, les cochonous. Moi, je vais prendre la caisse au cas où. Voilà. C'est bon, t'es toujours enceinte, toi? Oui. C'est jamais écorché. Oh, oh ouais! Ok. Alors attendez, parce que là, dans ma tête, je viens de penser un truc de fou. Et si ça marche. Ça va être fou. J'ai pas assez de place, sérieusement? J'ai pas assez de place. Désolé, vous aurez des morceaux de votre père. Hop. Alors attendez. Ça c'est quoi? C'est du gibier? Ça je m'en fiche. Comment ça marche? Et broyer la viande. Ok. Je teste un truc. Ok, je peux pas. Ok, prendre deux produits. Ok, glossaire. Si tu obtiendras des boulettes de viande, si tu places la casserole dans le poussoir à saucisses, tu obtiendras des saucisses. Ok, alors, attends, comment je fais? Ok.
Alors attendez. Parce que là, je fais n'importe quoi avec la viande. Alors. Si tu la retires, tu obtiendras des boulettes de viande. Si tu places la casserole dans le poussoir à saucisses, tu obtiendras des saucisses. Celles-ci peuvent être séchées dans la salle de salaison pour augmenter leur valeur. Expérimente en ajoutant du lait ou des œufs dans la casserole ou en faisant bouillir les saucisses sur la cuisinière pour obtenir des résultats. Bah, je veux bien. Alors, attends. Ouais, mais il y a de l'eau. On va retenter. On va mettre ça. On va mettre ça. On insère. On fait ça. Ok. On ramasse. On insère. D'accord, en fait, faut que ça soit dans le poussoir, dans la casserole. Et là, on a des saucisses qu'on va mettre ici. Ok. On va... Hop. Alors, attendez, je vais ramasser le reste du père. C'est dégueulasse à dire ça comme ça. Hop. Hop, hop. Ok. Alors... On va tester un truc. On remet ça là. On... On peut pas. On prend ça. Qu'on met là-dedans. Ok, est-ce que je peux prendre un œuf pour mettre là-dedans? On ajoute. Ok, on prend le produit. Est-ce que je peux... Non, je peux pas le faire cuire. Est-ce que je peux insérer et l'utiliser? Ok. Donc là, je peux insérer ça. Mais ici, est-ce que c'est pareil? Ah ouais, c'est pareil là, regardez. Ok. Bon, on va pouvoir tout utiliser en fait. Alors on va aller dormir parce que... Attends, on va aller dormir. Voilà. Et on va continuer nos saucisses. Hop, hop. On va rajouter un œuf à chaque fois. On prend. Tac. Ok, bah écoutez, moi je vais vous reprendre quand j'aurai fait toutes mes saucisses, parce que ça va être long. Alors, les saucisses sèches, il y en a de partout, j'ai même fait de la viande séchée, la boulette séchée, donc c'est en train de sécher tranquillement. Honnêtement, faites une maison, regardez, j'ai tout ça en stock, ça va trop vite. Et ici, j'ai fait des saucisses cuites, donc je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors... En premier, je prends ça, je mets la casserole là, je prends une viande que j'insère là, hop, et je broie la viande, voilà, je prends un petit œuf que je mets dedans, je mets tout ici, en attendant, vite fait, je retourne là, je prends mon eau, hop, que je mets dedans, hop. Je
je mets ça ici. Je fais ma saucisse. Je la récupère et je la mets ici et je commence à cuisiner. Donc il va me falloir au moins une ou deux autres casseroles pour faire ce genre de choses. Ça peut être très très sympa. Donc voilà, une fois qu'elle est cuite, je récupère la saucisse et puis je vais l'entreposer ici. Alors ils sont à combien? 54, ouais, ouais. Je pense qu'une nuit passée, ça ira. Donc il me reste... Ouais, il me reste pas mal de trucs à faire. Enfin, il m'en reste 6, 5 à peu près. Donc je vais les faire. Non! Non. Ah, punaise, je sais pas quoi en faire de ça. Bon, attendez, on va le faire sécher. Hein. Et là, je crois que... Ah non, c'est une viande de gibier. Voilà. Hop. Du coup, ce que je vais faire, c'est que... Vite fait, je vais aller vendre cette viande de gibier. Je vais aller aussi acheter une nouvelle caissette, là, je sais pas quoi. J'ai le miel qui est fait. On va aller le faire pendant que j'irai chercher tout ça. Il y en a des choses à faire, hein, franchement. Punaise. Je m'attendais pas à ça. On court de partout. Alors, faut allumer avant. Hop. Donc, en fait, je fais rien. Je laisse juste à côté. Et normalement, ça devrait marcher. Voilà. Voilà. C'est vrai qu'on peut pas courir. Hop. Alors désolé du gars qui klaxonne, qui a pas compris la vie. Si vous l'avez entendu. Du coup, direction le burger vite fait. Alors, nous voilà au burger, on va vendre ça vite fait. Alors, viande de gibier, tout vendre. Retour, parfait. Ensuite, direction... Là, où est-ce que c'est Je dirais que c'est au General Store. Hein. Ouais, direction General Store. Alors, nous y voilà. On va acheter notre glacière. On a combien d'argent? 487. Une glacière, ok. Une casserole en plus. Et on va acheter aussi un peu de blé. Pour nourrir les animaux. Voilà, parfait. Et vu que maintenant je sais quoi faire en fait des comment ça s'appelle, des œufs, etc. Peut-être que je vais faire aussi un élevage de poulets. Donc il faudra à un moment donné acheter des coques pour reproduire. Et j'ai vu aussi qu'il y avait une machine pour les œufs, donc je pense que
je vais faire ça aussi. Hop. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Je peux le mettre nulle part. Bon. Je le mets là. On ira le chercher à un autre moment. On repart au ranch. Alors, on est de retour au ranch. On va déposer tout ce qu'on a déposé. Voilà. Donc, les sacs ici. Parfait. La casserole, on va la mettre sur la gazinière. Voilà. Et hop. Alors, insérer. Saucisse de peur off salami, ok. 52, 100%, 100%, 100%, 100%. Ah non, ça compte mal. Je suis à 18. Et là, il y a rien. S'il y a ça. Hop, ça, je l'insère là. On est pas mal. Hop, on va essayer de tout ranger correctement. On va l'éteindre. Voilà, ça devrait être bon. Ok. Ouais. J'ai vu un œuf. Même deux œufs. Trois œufs. Il manque une cocotte là, non? Je sais pas. Ok, on va se coucher. On va attendre que tout soit bien sec. Et on va aller voir pour vendre tout ça. Voilà.
Je suis un peu impatient, je vais pas vous le cacher. Oh punaise, ça met longtemps à vendre la... Bon bah on va vendre ça alors. Hein. Allez. Ah non, c'est bon, j'ai eu peur, mes deux cocottes sont là. Oh, ils ont bien grandi. 1, 2, 3. Il en manque 2. 4. 4, il en manque 1. 5. Ok, c'est bon. Ah, mais faites pas peur comme ça. Et donc, instant de vérité, mesdames et messieurs, on va se diriger vers... Oula. Vers le burger et on va voir combien coûte nos chipolatas, nos saucisses aux œufs. Nos salamis, on va voir combien ça coûte, et je crains le pire. Nous voilà devant le Best Burger. Hop. Nous avons viande de gibier, multiplicateur de prix 1, oh lui. Saucisse de porc, boulette de poulet. On va voir. Alors, j'ai des saucisses de porc x 13. Oh, 1274. Saucisses de porc x 1, 84$. Boulettes de porc, œufs salami, 50$. Donc, ouais, il faut vraiment pas faire de boulettes. Saucisses de porc, œufs bouillis, 60. Alors, ouais, il faut faire des saucisses de porc sèches. Hein. Parce qu'on a 77$ l'une. Et là, 98$. Et là, 63$. On va tout vendre. Et on a 1933$. C'est pas mal. On va se lancer dans la saucisse. Bah écoutez, moi ce que je vais faire... Alors attendez, ce qu'on va faire... Non, moi ce que je vais faire, c'est que en off, là, je vais encore couper du bois pour faire les crops, pour que la prochaine fois on les pose ensemble. Et on va attendre que les petits porcelets grandissent tout seuls pour pouvoir après faire de la saucisse. En tout cas, on a bien géré le truc. Je suis assez content. Et il me faut de l'essence. Oh la vache. Il me faut vraiment de l'essence. Normalement, j'ai mis... voilà, le truc là. J'irai en chercher en off pour pas vous embêter avec ça. Ok. Bah écoutez, je suis assez content du résultat. Ouais. Donc là, la femelle, elle est encore pleine. Normalement, oh. Pourquoi je peux pas voir... Voilà. Elle est encore pleine. Les bébés vont bien. Ok, c'est parfait. Du coup, moi, je vais vous laisser là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si mon contenu vous plaît. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.